Salut à tous, c'est Damzou sur Fusion Architect. On est parti pour le plan de la grande expansion. Donc déjà, je vais relancer le jeu. Alors, donc je veux l'expansion. Les renseignements pour le plaisir. Préparation juridique. Enfin, le couloir de la mort, ça pourrait m'intéresser pour plus tard. Le dégrèvement d'impôts, je pense que c'est une idée intéressante. Dupliquer, j'en veux pas encore. Sanctions fixes. Puis. Il reste combien d'argent là? 14 000, non, on vaut mieux les garder. Déjà qu'on est un peu très pauvre en ce moment. Les infirmières, enfin mes médecins, ils sont en salle du personnel. Ouais, pour l'instant, la prison, elle tourne nickel, y a rien à dire. Enfin, excepté que là-haut, les mecs, ils passent leur temps à se plaindre. Alors, le fait que des gardiens armés sont en service, ça les énerve. Putain, je vais leur en mettre d'autres. Hein. Je vais leur mettre plein de gardiens armés, vous allez comprendre. Douche. Allez, encore 2 jours. 2 jours sans travail quasiment. Les mecs, si vous les faites pas travailler aussi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? D'ailleurs, je vais m'agrandir vers le. De quel côté en plus je vais devoir m'agrandir? Ah tiens, je sais ce que je vais faire. Hop. Objet. On va offrir des bibliothèques à tout le monde. Je sais, c'est mon côté bon prince. Alors par contre. Ok, c'est ça le sens. Tac. Je vais m'occuper de ce bloc-là en premier pour être tranquille. Les mecs, vous avez de la chance. Pourquoi je peux pas le mettre là? Ça m'intrigue. J'irai voir dans pas longtemps. Voilà, comme ça vous pourrez faire un peu de lecture chez vous. Alors pour les cellules du bas, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir que je change le sens du livre. Donc les cellules sont faites. Attends, je vais faire celle-là. Voilà, tout le monde a sa bibliothèque magique. Vous aussi maintenant. Franchement, la bibliothèque à côté des toilettes, les mecs, je sais pas pourquoi, mais je vous envie pas. Et normalement, chaque cellule a sa bibliothèque, sauf une, qu'il faut que je comprenne pourquoi elle la veut pas. Est-ce qu'il y a un prisonnier dans cette cellule-là d'ailleurs? Faut que je regarde. Ça ne voudrait pas qu'il y ait un. Peut-être que ce soit peut-être cette cellule-là qui bug. Je vais la regarder d'un peu plus près. Je verrai si. J'ai vu une alerte au tunnel. Fouiller le bloc. Fouiller le bloc. Alerte au tunnel, j'aime pas ça moi. Personnel, gardien, on va passer à 35 gardiens. 1, 2, 3, 4, 5.
Mince, faut que j'arrête. J'ai fait un trop. Ça y est, l'expansion est passée, mais... J'ai fouillé pourtant, et j'ai rien trouvé. De mettre une patrouille de chiens ici en plus. Patrouille de chiens. Comme ça. Vous voulez que je rajoute un chenil? C'est pas grave, je vais vous rajouter un chenil tout de suite. Caisse de chien. Je t'en rajoute même deux. Je pourrais même les reposer les trucs. Personnel, est-ce qu'il faut les acheter les maîtres chiens? Est-ce qu'il faut les acheter à recruter? Allez. Et deux maîtres chiens de plus. Non, ils m'ont pas trouvé spécialement de trucs. Hein. Là, il y a des perceuses, des téléphones. Admission, je vais mettre aussi un détecteur de métal. Comme d'hab, faut que je le recherche. Service, électricité, c'est fait, tac. Comment on fait pour contrer les tunnels? Ça sens que je suis sûr qu'il va y avoir un tunnel là quelque part et pourtant j'ai fait mon possible pour creuser, hein. Mec, ils ont même trouvé une fourchette dans un frigo, quoi. C'est pas le pire truc au monde, mais c'est pas grave, ça. Je pense que je vais m'installer de ce côté-là. Ça fait surface totale 20 000. Ça va me coûter cher si je le prends comme ça, je pense. Ça a l'air des prisonniers. Arrêtez, on les paye pas les prisonniers, mince. Moi je suis pas pour qu'on les paye. Je suis même pour qu'ils payent pour travailler. Ce serait une idée. Donc si, ici, il y a un prisonnier. La tenue est sale. Là, il y a plein de tenues propres. Attendez, c'est le personnel de prison qui distribue les tenues? C'est même pas les prisonniers en fait? Je comprends rien ce jeu, moi. Les mecs, vous faites quoi tous ici au fait? Il y a un Club Med ici? Donc objet. Étagère de livres. Non, magasin, c'est pas ce que je voulais. L'étagère de livres, elle est où? Voilà, tu l'as eu. Déjà, ils aiment pas les gardiens lourdement armés, mais moi je les aime bien. Donc va falloir faire avec, c'est tout. On en est où ici au niveau du générateur? C'est chaud chaud, mais ça tient. Le mur d'enceinte tient bien le coup. Eux, ils vont crever, je sais pas comment, parce qu'ils foutent rien de toute façon. Il y a un objet que j'ai pas installé, que je vais peut-être installer, ce serait le portail routier au passage, pendant que j'y pense. Portail routier. Portail routier. Du coup, en fait, ce serait mur d'enceinte.
Voilà, au boulot, ça va vous occuper. Comme ça, même s'il y en a un qui creuse un tunnel, au moins il est bloqué. Enfin, j'espère. Personnel, les concierges, je vais en prendre deux de plus. Jardinier, je vais en prendre un de plus. Cuisinier, j'en prends un de plus. Et ouvrier, non, pas besoin de prendre un de plus pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Quand on fait un mur d'enceinte, on ne peut pas mettre de câble qui passe sous le mur d'enceinte. Autant pour moi. Allez vite, branchez-moi très vite. Voilà, ça a été rétabli. On n'est pas passé loin de la panique. Les jardiniers, ça va bosser un peu mieux. Je vais bientôt pouvoir remettre tout le monde au travail. Aucun. Ça veut dire quoi, aucun? Ah, de toute façon, je vais pas tarder à relancer une fouille des cellules encore. Fouiller les cellules, c'est ma grande passion. Les ouvriers, ils sont à la porte. Allez, les... Ouvert. Allez, les gardiens. Allez, les ouvriers. On rentre à la maison parce que là, vous m'avez l'air paumé. Questionnement normal, non en fait je comprends pas, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que... logistique... Les douches. Est-ce que je peux régler les douches? Parce que je comprends pas pourquoi pendant la douche ils sont tous venus ici. Non, ça j'ai pas encore compris ce que c'était. L'urgence, j'ai pas compris. Service connecté. Arranger les fils. Moniteur. Les écoutes téléphoniques, on verra plus tard. Ouais, non, c'est... Qu'est-ce que tous ces prisonniers faisaient en bas alors que les douches sont en haut? Y a des problèmes d'hygiène? Commence à y avoir des petits problèmes d'hygiène. La lecture, c'est censé s'améliorer un petit peu, ça. L'intimité. Oh, l'intimité, me saoulez pas. Hein. Y a pas de problème d'intimité ici. C'est psychologique, le problème d'intimité. Voilà, je vous dis, tout est psychologique ici. Je peux peut-être faire une bibliothèque ici. Allez, dans 3 heures, c'est fini, on a réglé ce problème-là. Ça leur fera de la lecture, ils seront contents. Pour commencer ma deuxième aile, il me faut quand même beaucoup plus d'argent. Parce que déjà, il va falloir que je fasse tout le mur d'enceinte.
à 50%, on a quand même bien travaillé sur ça. Les demandes de conditionnel, j'en ai encore 5. Les prisonniers se sont calmés à propos de leur travail. Je pense qu'ils considèrent un peu ces derniers jours comme des vacances. Ok. Alors, régime, travail. Alors, 3 heures ici. 3 heures là. Programme. Au boulot. Allez mec, vous allez comprendre votre douleur. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils viennent tous bosser, ils viennent tous se laver ici. Mais non, ce que je comprends, c'est parce que faut pas venir vous laver ici, les mecs, ça a pas de sens. Vous allez pas vous laver dans un dortoir, bordel. Non, je comprends absolument pas pourquoi est-ce qu'ils vont tous se laver en bas. Tiens, j'ai peut-être augmenté, amélioré les douches en haut. Au hasard, ça peut peut-être faire quelque chose. Je suis une petite ligne de douche ici. C'est le troisième, c'est celle-là, je crois. Allez au boulot. Ah, il en manque un. Regardez, est-ce que c'est ça le problème, qu'il les fait pas bosser? Parce que quand il faut aller à la douche, les mecs, on vous demande pas d'aller tous en bas. On a une nouvelle admission. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il est dans la salle du personnel, sincèrement. Il fait quoi dans la salle du personnel? Trente-trois mille, c'est pas mal. Donc j'ai bientôt lancé les travaux. On va faire un petit tour dans la cour. Tac tac. On peut pas les enfermer les moines, n'hésitez pas. Il y a du stock pour les enfermer. Toilettes, les bancs, la muscule, téléphone. Je peux pas faire plus pour vous là. Et ensuite, il faut qu'ils aillent bosser. Qu'est-ce qu'il fait qu'un... Mais qu'est-ce qu'il fait avec une arme de gardien, lui? Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, c'est compliqué à comprendre ça. Quarante-cinq mille, ça en fait du pognon tout ça. Le chien il dort. Ah, je crois que j'ai fini ma subvention. Donc, prochaine subvention, sur quoi je vais me concentrer? Retirer les réserves d'outils volés. Je sais pas. Trouver.
Le travail. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Je peux encore en mettre deux. Ben, je me dis autant mettre les établis comme ça. Et je vais recaser une table là-haut. Et au niveau des services, je crois qu'ils seront déjà connectés, hein. Je vais peut-être me faire une petite chapelle ici. Ah, ça vibre de tous les côtés. Allez, les mecs, mettez-moi tout ce qu'ils font en tôle. Même s'ils sont déjà. Les prisonniers, j'ai 50 000. Allez, 50 000, je me lance. Ok, alors, matériaux, mur d'enceinte. Au boulot. Grande porte de prison. Je vais la mettre comme ça. Ta 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 ta. Ici. Pardon. Ah bah j'avais 50 000, il me reste 4 000. Comme quoi, ça coûte cher de bosser. Donc, dans les programmes, je voulais mettre la menuiserie. Où est-ce que c'est mis la menuiserie? Toutes les salles sont réservées. Du coup, en fait, je vais vérifier si personne y travaille, je vais les démonter. Est-ce que j'ai mis un déploiement ici? Oui, j'ai mis un gardien, donc c'est bon. Parloir, je vais mettre un gardien. Je pense que je vais commencer tout de suite par faire un nouveau générateur. Pour alimenter tout le futur quartier. Ouais, en fait, j'ai vraiment pas de thunes et j'en aurai pas avant un bon moment. Le travail. Ça bosse pas partout encore. Ça manque de personnel ici. Ils travaillent tous ailleurs ou ils sont tous enfermés ailleurs? En même temps, j'ai 83 prisonniers. J'en ai 20 ici, 28. Ouais, je pense que ça, je vais les démonter. Je vais mettre autre chose à la place. Je vais mettre des presses d'atelier. On y est presque, on a fait un joli tour. Me dis pas quand même que tu lui ouvres la porte! J'ai vu un prisonnier qui s'est enfui parce que le mec lui a ouvert la porte ou c'est moi qui ai halluciné?
Parce que ça, je sens que je suis capable de l'avoir vu, ça. Estimation. Évasion 0, 0. Non, ça va, ça a l'air d'être mieux. Mais j'ai quand même vu un truc qui m'a fait très très peur. Alors, donc je voulais rajouter des presses d'atelier. Toi, t'as un joli tournevis sur toi, hein, je l'ai bien vu là. Joli le tournevis, comme on dit. Mur d'enceinte, il n'est pas financé ce mur d'enceinte? Oui, bah si vous me le financez. Il veut aussi me faire trouver des dalles de pierre. Cents jusqu'ici. Allez, on me finance tout. On a presque fini le mur d'enceinte. Confinement, feu à volonté. Ah ouais, quand même, c'est pas mal ça, faire feu à volonté, hein. Mes dépenses sont un peu très élevées. Quand je dis très élevé, c'est très élevé. Bon, ce qui compte, c'est que la prison se sort en elle-même se porte bien. Le mec, il a cassé sa bibliothèque, mais t'es un psychopathe. L'hygiène, ça devient une catastrophe, on dirait. Vêtements, ben là, vêtements, vous avez ça, je comprends pas. Je vais essayer un truc, je vais démonter cette porte et je vais mettre un mur à la place. C'est peut-être ça qui gênait avec le fonctionnement de la buanderie. Non mais est-ce que je peux avoir quelqu'un qui connaît son travail et qui ne lâche pas ça? Là ça se douche là-haut, la douche. Majoritairement ils sont tous là-haut. Après la douche, l'hygiène elle était comment? L'hygiène, elle est mauvaise. Je comprends pas pourquoi l'hygiène est si mauvaise. Là, j'ai eu une alerte au tunnel. Donc on va refouiller tout le monde. Quand on va lancer le travail de l'après-midi, je vais fouiller tout le monde. Lui, il a volé une fourchette. Allez, le repas. 2 heures pour manger, normalement, c'est largement suffisant. 600, on y est. On est encore très loin d'avoir de quoi fermer ici. Repas court. Allez, c'est parti. Fouiller le bloc. Fouiller le bloc. Fouiller le bloc. Fouiller le bloc. Et fouiller le bloc. Et il y a un truc que j'ai pas fait, il me semble, en pièces. Ce sont les exportations.
que je vais construire ici, je dirais. Donc ils vont tous dans la cour et ensuite ils iront bosser. Et moi je pense que je vais m'arrêter là. Je comprends absolument pas ce qui se passe. Je vais mettre toujours des murs d'enceinte en haut. Ça coûte vraiment trop cher. Ah bah, libération anticipée. On y est presque. 31 minutes de vidéo, je m'arrête là. Retirer les tunnels. Oh bah, il n'y en a pas, sinon ce serait apparu. Bon bah, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao à tous. Bye bye.